29 juillet. Une personne très modeste, très simple, pas tellement instruite, peut, grâce à sa recherche intérieure, en savoir davantage sur la vie que les plus grands savants. C'est pourquoi les scientifiques devraient faire preuve d'un peu plus de retenue et de modestie. Le Créateur ne leur a pas donné le privilège du savoir. Ils peuvent maîtriser la matière, mais ils ne maîtrisent pas la vie. Car la vie ne se découvre pas au bout de quelques appareils, lunettes, scalpels, mais à l'intérieur de soi. Même celui qui mène des investigations sur les autres planètes peut être intérieurement aussi ignorant que s'il n'était jamais sorti de son trou. C'est une question d'état de conscience. Alors, à quoi sert-il d'aller découvrir l'univers si on reste intérieurement aussi limité que celui qui n'a jamais mis le nez hors de son petit patelin ? L'astronaute, dans sa navette, parcourt l'espace. Mais le berger, qui garde son troupeau dans la montagne et qui contemple le ciel étoilé dans le silence de la nuit, en sait peut-être plus que lui sur l'immensité.